Bonjour, bonjour à tous, salut, c'est le Viking, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Planet Zoo, toujours en live Twitch, bonjour à TRTM, à Pixunhu, Byron GG, à Pichip, Kno Candili, Eric, Enako, Clem, voilà, bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui sont sur le chat et hors chat. On est parti, on enchaîne, on a pas mal avancé sur l'enclos pangolin sur la première vidéo, on l'a pas terminé parce que ça commençait à être long et on a quand même pas mal regardé un petit peu ce qu'il allait y avoir à faire, hein. Mais maintenant on est parti, on termine cet enclos, on peut mettre play histoire d'avoir de la rentrée d'argent, et on m'a dit recherche terminée. Attends, c'est quoi ça? Je vais mettre pause, juste le temps de regarder. Non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, il y a des rentrées d'argent, les pangolins sont heureux, on n'est pas obligé. Le défi du zoo sont spécifiques aux zoos que vous dirigez actuellement. Si vous n'aimez pas un défi, vous pouvez le supprimer. La réactualisation se fera ultérieurement. Adopter des animaux d'habitat. Deux espèces d'habitat différents. Ouais, bah très bien, ça va être fait ça. 500$ de bénéfices pour les stands de nourriture et atteindre au moins 300 visiteurs dans le zoo. Très bien, bon écoute, ça va se faire naturellement. Au niveau des défis, il faut un cabinet vétérinaire. Ah, j'ai pas de cabinet véto? Attends. J'ai oublié de mettre les vétos? Cabinet vétérinaire. Ah, effectivement. Ah merde, ça c'est con. Ah, ça j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps. Lui, il est toujours en train de se galérer, là. Il aimerait faire une recherche, probablement, et au final, il peut pas. Ah, légère déception. Bah, c'est pas grave. En vrai, je peux mettre. Hein. En vrai, on peut mettre. Hein. C'est quoi, ça? Comment on sait ce que c'est, ça? C'est marqué où, ce que c'est, ça? Ferme ça, là. Comment on sait ce que c'est ça? Truc mécanicien. C'est celui-là? Je vais le mettre. Parce que si vraiment ils ont besoin de deux bâtiments, enfin d'un bâtiment par recherche, au moins ils pourront aller rechercher. On va ajouter dans la zone de travail du coup ça et ça. D'ailleurs on va ajouter ça aussi. Hop, ça c'est fait. Non, on peut pas dans la zone Asie. Ça on s'en fout en vrai. Hop, très bien. Ça a été ajouté, ouais. Comme ça là on est bien. Qu'est-ce que... S'il te plaît. Salut Marion. Il y a marqué atelier quand tu cliques sur le bâtiment. Ah bon? Ah ouais, c'est marqué en grand. Donc ça c'est fait. Et comment on voit les recherches terminées? C'est ici. Ah non, c'est pas fait. Ça avance. Et mécanicien, c'est pas fait non plus. Là, la thème Asie n'a pas avancé parce que malheureusement, le mécano, voilà. Et là, il est parti commencer ses recherches en Asie. Très bien. Ouais, on a perdu un peu de temps, mais en même temps, on était en pause tout le long. Donc, c'est pas grave. On n'a pas perdu plus de temps que ça. Donc, on en était à la décoration de ce petit enclos. Est-ce qu'on mettrait pas des lianes sur le mur? Parce que ça décore. Araignée sur la surface. Recherche animalière. Ah, bien. Premier niveau du pangolin terminé. Pangolin de Chine. Donc qu'est-ce qu'on a débloqué? On a débloqué des optimisations alimentaires et autres. Ah, on l'aime bien. On l'aime bien. Oh, regarde, dans l'habitat des pangolins, tu devrais sûrement avoir un perchoir ou un truc du genre pour faire dormir, parce que sinon tes pangolins vont avoir la tête de... Non, mais il faut peut-être optimiser les recherches. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc ça va arriver au fur et à mesure. Non, pardon, c'est parce que tout ce que je veux faire. Je vais aller sur le pangolin. Habitat. Ici. Ici. Boîte à fourrage. Pangolin de Chine. Oh la vache. Oh, c'est énorme. Mais c'est beaucoup trop grand ça. J'avais pas prévu ça dans mon enclos moi. Peut le mettre là. Oh, on va décaler cet arbre. On voit plus rien. Est-ce que vous voulez le cycle aujourd'hui? Les herbes. Ah, pourquoi? Il y a un problème. Ah ouais, le fait qu'on ait bougé les trucs. Ah non, tout va bien. Tout va bien. On va simplement ajouter maintenant la nature. Est-ce que du coup, vous voulez le cycle jour-nuit ou est-ce que vous voulez qu'on reste en jour pour qu'il fasse tout le temps clair? Alors, ici, velouté. Quoi? C'est énorme ça! C'est pas velouté du coup, c'est veloutier. Asie tropicale. C'est pas mal ça. Ça c'est bien parce que ça fait de la touffe d'herbe ça. On l'aime bien ça. Hein. Ça je vais en mettre là. Et en plus on entend des gens donner des sous. Hein. Je sais pas si vous entendez vous aussi mais on l'aime bien. On aime bien l'idée. Hein. Ah ça fait grand.
Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, très bien. Des bambous, l'alcool. On n'a pas grand-chose. Ah, mais c'est là, les fleurs. Il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a des fougères et ça, quoi, en fait, hein. Pour décorer le sol. C'est pas fou, hein. Il va falloir plus de cailloux. Les auges ne sont pas remplies. Ah, merde. Appelez le... C'est quoi, déjà? C'est le soigneur qui s'occupe de l'enclos. Ah, parce que sinon, ils vont avoir faim. C'est ça, hein, le soigneur s'occupe de l'enclos. Et le veto s'occupe des espèces. Par contre, les visiteurs apprécieraient sans doute un brin d'éclairage dans les allées. Pff, arrête, c'est bon, ils sont comme pas se plaindre. Donnez des sous et on aura de quoi mettre des éclairages. 4000 ? C'est clairement pas suffisant. T'as 4000 ? Putain, la boîte de dons. C'est abusé. Ils sont combien ? 120, ils ont donné 4000 euros de dons, quoi. Juste pour deux pangolins. Ah, ils sont sympas, hein. Ils sont sympas. C'est amusé. Ok, ils sont en train de le faire. Très bien. Alors, un petit peu d'écho là-haut, peut-être. Non, non. En vrai, c'est... C'est surprenant. Il veut des cailloux, quoi. Le pangolin aime les cailloux. Mais plus de boîtes de long. Attends, une seule par enclos. Sinon, ça va faire beaucoup, quoi. Ça coûte rien, vous me direz, mais... Ils passent tous devant, de toute façon. 4650. Don moyen, 18 $. C'est énorme. Les mecs, quoi. C'est abusé. Arbre. Je vais mettre des lianes sur l'arbre, sur le mur. Non, c'est pas... Je vais mettre des lianes sur le mur. Pas forcément partout, mais juste histoire qu'il y ait une déco, quoi. Ça, c'est un peu grand. Celui-là était pas si mal, en vrai. Celui-là était pas si mal. Tac. Comme ça, c'est aligné. De toute manière, on pourra toujours changer le type de mur. Ah non, bah non, celui-là non, parce que... Ah si, peut-être. Qu'est-ce que ça donne, ça? Ah, ça fait quelque chose, quand même, hein. Sur toute la longueur, ça peut être si... intéressant. Distributeur d'argent. Non, mais attendez, on est juste au début. Ils ont payé l'entrée 3 euros. Et ils ont déjà donné 4000. Si on en demande trop, de toute façon, ils vont pas donner. 5400. C'est abusé, c'est énorme. Est-ce que les recherches continuent, là? Parce que c'est important. La recherche continue. Ici, les recherches continuent. Le premier thème 1 va se faire. Et on l'apprécie. On l'apprécie. Salut à Rose. Ils vont grimper. Non, normalement, ils grimpent pas. On l'a vérifié. Ah ouais, avec les lianes. Donc, peut-être, effectivement. Vérifions. Non, c'est là. Il n'y a pas de point de fuite. Les points de fuite sont signalés par les petits logos là. Et il n'y a rien. Donc, tout va bien. Et en plus, ils vont bien en dessous, hein, donc ça ne les dérange pas, hein, d'aller se coucher là-bas en bas. Tout va bien, tout va bien. Moi, je suis pas mécontent, hein. Occupation, c'est limite encore. La liane tout le long, qu'est-ce qu'on en pense? Le pangolin est devenu une star dans ton zoo. C'est clair. Attends, j'espère quand même. C'est le seul qu'on ait. Il va falloir... Je vais mettre des cailloux. Je vais mettre des cailloux en vrai parce que... Parce que sinon ça va être vide, quoi. J'arrive pas à savoir... J'arrive pas à imaginer dans quel coin il peut vivre, le pangolin. Sur quel type de terrain. Est-ce que c'est vraiment un jungle ou est-ce que c'est plus dans le truc à... J'arrive pas à savoir. Parce que je voudrais bien lui mettre un max de plantes, mais faut pas non plus que ce soit complètement illogique par rapport à l'espèce, quoi. Ouais, ça fait pas mal, ça décore. Ça décore, hein. Moi j'aime bien.
Le pangolin est généralement nocturne et reste à l'abri durant la journée, mais certaines espèces sont plutôt diurnes. Il peut passer de 12 à 20% de son temps à se nourrir selon l'habitat. Ok, merci Léo. Est-ce qu'il ne faut pas une petite maison de soigneur près de l'enclos? Alors non, du moment que c'est accessible et pas trop loin. Mais encore une fois, mais t'étais peut-être pas là quand je l'ai dit, ces bâtiments-là, c'est pour l'instant. Parce que derrière, ils vont bouger, ils vont venir dans vraiment la zone Asie. Mais on va attendre de voir pour ajouter d'abord un deuxième enclos. Alors, ça m'embête. Hein. Franchement, ça m'embête. Hein. Poser ces petits trucs. Ah, bah ça, c'est un peu plus grand déjà. Parce que poser ces petits trucs-là, on n'en voit pas le bout, quoi. On peut le mettre, hein, mais. Mais déjà, ça fait pas fou. Et en plus. En plus, c'est pas fou. Non, non, ça j'aime pas. Ça j'aime pas. Bon, pour l'instant, c'est. Voilà, c'est. Voilà, quoi. C'est pas extra. J'avoue que. Ce coin-là est pas fou. Ce coin-là est vide. Mais en même temps, c'est l'endroit où les gens vont venir. Attends, ça, il faut que je vire l'alignement sur la surface. Pour que je puisse l'enterrer un peu. On a une recherche de terminée, j'ai vu, merci beaucoup. Au cas où vous apprêtiez à me le dire. J'ai vu, j'ai vu. Ouais. Ça va. Les gens viennent là, on se demande pourquoi, mais en tout cas ils viennent. Je vais pas leur mettre des carreaux là parce que ici on va certainement. Si on a une autre espèce qui a pas besoin de beaucoup d'espace, on le mettra là. On la mettra là. Alors, recherche terminée. Recherche terminée en Inde. On apprécie. Donc la recherche enchaîne, tout va bien. Moi j'aime bien l'enclos comme ça. Ouais, franchement, ça, ce qui me dérange c'est ça en vrai, hein. Ou alors, à la limite, faudrait que j'ajoute 2-3... 2-3... Est-ce que je peux voir un pangolin? Ah, j'allais dire, ils sont peut-être reproduits. Mais non. À la limite, je peux peut-être ajouter... un tout petit peu d'herbe. Histoire de casser la masse grise qui est, je trouve, pas folle, quoi. Là, c'est pas si mal. Là, c'est pas si mal. Et ici, d'ailleurs, on peut faire. C'est de la roche déjà, ça. Ah, c'est déjà de la roche. Ah non, c'est pas de la roche. Ici, on peut faire. On peut faire ça. Ils vont pas grimper là, de toute façon. Puis on met de la roche grossière, à la limite. Hein. On peut faire ça comme ça. Attends, 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 attends. Taille, c'est beaucoup trop grand ça. On voit rien? Ouais, c'est pas faux. Mais ça fait toute la différence. On le sait, l'intensité. Ouais. Je préfère. Je préfère, ça fait moins la grosse masse tout le temps de la même couleur. Le bas de la butte, ça fait un peu jardin de mamie, non? Bah, écoute. J'ai fait ce que j'ai pu. Non, ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais de toute façon, c'est toujours, on pourra optimiser, quoi. Vraiment. Une fois qu'on aura débloqué plus de trucs et autres, si ça se trouve, on va avoir un ballon ou autre dans l'optimisation, on pourra venir poser là. On virera un caillou ou deux, un brin d'herbe ou deux, on mettra là. Toi, pour l'instant, c'est pour décorer, quoi. En tout cas, ils sont heureux, ils sont satisfaits. Moi aussi. L'enclos est sympa. Pour commencer, c'est très très bien. Liane devant terrier. Ça peut être une idée. On est dans un enclos où on peut mettre des lianes, autant en mettre, effectivement. En plus, ils sont pas grands. Donc ça va pas les gêner plus que ça, quoi. Alors, il faut que je mette ça. Je vais le mettre comme ça. Ça. Je vais le rentrer un tout petit peu là. Je vais le tourner un tout petit peu comme ça. Ça. Et ça.
Ah, oh, il aurait même mérité d'être rentré encore plus. Ah merde! On remarque comme ça, c'est pas si mal. Mais. Oh! Change ça. Le raccourci. Mais non! Qu'est-ce qu'il fait? Mais reviens! Ouais, ça. Le pangolin est en haut. Hein. Il vit sa vie. Hein. Et il la vit pas par procuration. Putain, c'était nul. Hein. Celui-là, je suis pas fan. Hein. On avait la sensation qu'il était dans le vide. Voilà, ça c'est correct. Ça c'est correct. On l'aime bien. Tu savais qu'ils sont sortis la suite de Fallen Kingdom, mais je sais pas si c'est vrai. La suite? Non, ils ont sorti un court-métrage. Bonjour, il y a tout le monde, pas de lien pour les pangolins. Salut 34 One. Ah ouais? Ouah, mais c'est de la déco, tu vois, c'est pas... C'est de la déco, quoi. Ils vont pas s'en servir, hein, donc... c'est de la déco. Qu'est-ce que c'est, ça? Recherche terminée. Veto, en plus, encore pour le pangolin. On aime bien. Très très bien, ça. Et il continue sa recherche. Elle will, j'en sais rien. Du coup, on a débloqué quoi pour le pangolin? Et comme ça, après, on va pouvoir partir sur une nouvelle espèce. On a débloqué ça. Ah, l'optimisation de jouets. Plus 50% d'informations, je pense. Sur lui. Sur les panneaux d'informations. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ah si, on a débloqué dans le ici. Là. On a plus d'infos sur lui ici. Riddler, farine, ballon. Et voilà, ici. Oh, c'est le délire. Oh! Est plus grand taille maximale du mâle. Valalazo. Plus vieux dans vos os. Mais plus grand dans vos os. Ah mais non, c'est pas le plus grand dans tous les temps. C'est dans les os en général. Dans mon os. Ah j'allais dire, tiens, je suis dans les records. Mais pas du tout. Merde. C'est dans le mien, quoi. Ah, je suis déçu. Je suis déçu. Qu'est-ce que j'allais faire, du coup? Ici. Ah ouais, alors on a l'optimisation de l'habitat. Il faut y penser. Terrain, habitat. Animaux. Animaux, on a deux espèces. Très bien. Pour ça, on s'en fout. Contenu de l'habitat. Qualité de la nourriture, de niveau 2. Tac. Les mangeoires sont vides? Appelez le veto. Non, appelez le sonnier. Parce que j'ai l'impression que la mangeoire est vide, là. Quantité 0 sur 2. Va peut-être falloir mettre à manger. Ah, t'étais venu voir, peut-être. T'es venu voir naturellement. Salut GG et SRP. Bienvenue à toi, je te salue. Merci pour les 20 points. Merci pour les 20 points. Il est en voie d'extinction critique, d'où les dons sont importants. Ah, tu crois? 3000. J'étais pas à 4000. Y'a quelqu'un qui a mis la main dans le truc ou quoi? Je n'étais pas à 4000. Oh, il neige. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le pangolin? J'en sais rien. Il y a quelqu'un qui s'est servi, là. Il me semble que j'étais à 4000. Non? Bon, bref. Bon, on perd des sous. Le visiteur ici, on l'a salué. Et on a bien-être faible. Bah ouais, mais tu m'étonnes. Ah, attendez, pause. Qu'est-ce qu'il t'a? Qu'est-ce que t'as? Température. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Oh, c'est chaud, ça. Ouah, ça y était pas. Agent de sécu. Non, je pense pas qu'on ait volé. Je pense pas. En dessous de 12, les pangolins vont faire la grimace. Alors, ce qu'on va faire, vous savez ce qu'on va faire? Dans leur ici, là, habitat, on va leur mettre un chauffage. On va leur mettre un chauffage ici qui leur permettra, du coup, de venir se mettre au chaud en cas d'hiver un peu trop rude. On met la température à 20 degrés sur une zone, parce qu'il faut pas non plus que la zone soit... Bon, remarquez, si la zone est trop grande, c'est pas gênant non plus. Parce qu'il faut pas qu'il... Ah mais arrête, je vais cliquer sur ça. Est-ce qu'on voit la zone? On voit pas. On voit pas la zone. Bah, du moment qu'ils ont trop froid, j'ai envie de dire c'est pas trop grave. Ou alors, il faut mettre du chauffage partout, quoi.
Alors, il faut mettre chauffage partout pour assurer le fait qu'il neige jamais dans l'enclos, quoi. Mais en vrai, ça fait naturel, quoi. Il se met à neiger, du coup, ils vont se mettre à l'abri. Qu'est-ce qu'on fait? On met du chauffage partout? Pour préserver une température... normale, on va dire. On peut cacher un truc là-dessous. Hein. De toute façon, que ce soit en dessous ou pas, c'est pas gênant, en soi. Des tunnels partout. Chauffage partout. Filtre l'eau. Alors l'eau, normalement, est filtrée automatiquement sur l'enclos du début, parce que je suis pas trop loin de l'entrée. On a regardé ça tout à l'heure. Normalement. Après... Mais y a pas la bulle, là, d'info de chauffage, là de la taille que ça prend. On va mettre play. Ça va chauffer, vous inquiétez pas. Voilà, la neige s'en va. Et on va avoir un cercle, ce qui va me permettre de le placer. Très bien. Donc tu peux venir un peu plus ici. Tu sais quoi, je vais même te mettre sous le rocher ici, là. Comme ça, on ne voit pas, mais t'es là. C'est correct. Alors que chez moi, la pluie... La pluie s'acharne. On est correct. Bienvenue Monkey Chris. Monkey des Chris. Bienvenue à toi, merci beaucoup. J'ai lu Léo, t'inquiète, mais je vais pas le lire tout haut à chaque fois. Toutes les infos. Mais je l'ai lu, merci beaucoup. Oh, j'ai envie de dire ça va. Hein. Après, s'il va dans la neige, c'est de sa faute. Hein. Il faut qu'il y ait un petit peu de nature, tu vois. Quand il se met à neiger, bah il se met à neiger. On est le 25 juillet, c'est tout à fait normal qu'il se mette à neiger en Europe. C'est surprenant, on va pas se le cacher. Mais bon, bref. Les gens ont froid, ils sont en short, en t-shirt, mais bon. C'est surprenant, 29 juillet, il fait moins 2. Hein. Alors, on enchaîne, on part sur la nouvelle espèce. Il y a un problème car le mangeoir ne remplit pas tes... Arrête, me dis pas ça. Me dis pas ça. Oh putain. Ils vont nous refaire le même coup, quoi. Pourquoi il vient pas? Il a peur d'avancer plus loin, là? On a accès à l'enclos. Si on clique sur un Jean. Si on... Non, mais le pangolin a accès. Je vois pas pourquoi lui n'y aurait pas accès. Après, à la limite, si vraiment c'est qu'un problème... Ils vont mourir de faim, vraiment. Nos pangolins vont mourir de faim parce que le soigneur a décidé de pas donner à manger. J'ai le jeu. Ah cool, Thomas. Le soigneur, il a rempli la grosse mangeoire au milieu. Ah ouais, ça va, il y a de quoi manger là. C'est pas faux. Non, bah ça va. S'il fait pas le reste, c'est pas dramatique. Toi, je t'ai dit bonjour, pardon. Pardon. Alors, échange d'animaux. Quel type d'espèce on prend, sachant que on veut de l'Asie. Oh la vache. L'Oryctérop du Cap. 10 000. Putain, ils ont craqué déjà, les gens. Tu crois vraiment qu'il y a déjà quelqu'un qui a 10 000 points de préservation? C'est Zootopia. C'est abusé. Allô? Ouais, non, c'est juste pour te dire qu'il n'y a pas de chance que ce soit vendu. Non, mais je dis ça, je dis rien. Mais, bon. Alors, quel type d'espèce on prend? Quel type d'espèce on prend? Il nous faut de l'Asie. Il nous faut de l'Asie. On hésitait avec les crocodiles. Crocodile marin. Un petit croco. Un petit croco, ce serait sympa. Un croco, là. Non, c'est pas là. Échange d'animaux. Le croco pour le carnivore. Ah bah justement, j'en parlais. Déplace la maison du soigneur maintenant, au pire, avec le reste. Bon, je pense pas que ce soit un problème. Hein. Il vient. Hein. Oh, ils sortent les parapluies et tout, quoi. C'est trop bien, en vrai, quoi. Puis du coup, là, il neige plus. Oh la vache. J'ai pas fait attention. Est-ce que vous vouliez qu'on limite la météo et autres? Enfin, en tout cas, le... Ah, on peut pas le changer, de toute façon.
Ah bon, on peut pas changer. On peut pas changer. Zoo. Non, échange d'animaux. Croco. Le petit croco. Un croco marin. Un croco d'eau douce. Un croco... Deal. Là. Est-ce qu'il y en a? Oh putain. Coûte trop cher. Croco, c'est pas possible. Croco, c'est pas possible. Celui-là, il serait parfait, mais il nous faudrait un mâle. 23 ans, c'est beaucoup. Salut, Sirius. Je crois que le bongo vient en Asie. Ah, attends, on va aller vérifier ça. Le bongo... Pas du tout. Bien tenté. Le panda. Ouais, non, bah, le panda, on aura clairement passé. Le panda, déjà, je pense qu'il n'y en a pas encore de dispo. Et puis, on n'aura pas assez de points de crédit. Le panda. Panda ? Je suis vraiment allé en bas au moment où... Oh putain, il y en a. On a pas assez. Par contre... ça va, en vrai. On a 740. On va pouvoir en avoir un assez vite. Le panda roux, effectivement, peut-être que du coup coûte moins cher. Où est-il ? Jeune panda roux. Le panda roux. Le panda roux ? Je l'ai pas vu. Pangolin. Il y en a pas d'autres pangolins par hasard ? Ah merde. Avec des sous, ça aurait été parfait. Le pangolin. Non, le pan. Le panda roux, pardon. Là. Ah ! On peut. On peut tenter d'investir dans un panda. 400 plus 250. Après, faut voir les gènes, quoi. Oh putain, les gènes sont bons déjà. Hein. On peut pas. On y va. Ça marche ou ça marche pas? Ah putain, ça, on va se retrouver dans la galère. Attention, ça va pas marcher. Il a été volé. super mignon, ça va attirer les foules. Ouais, je pense. Hein. Je pense. Puis en plus, c'est pas grand, du coup on va pouvoir le mettre dans l'enclos juste à côté. Ce serait parfait. Malheureusement, je pense qu'on n'est pas assez à côté de celui-là et il a dû être pris. Bon, on va faire les recherches déjà. Oh, le pangolin, on a continué de s'améliorer sur le sujet, donc ça on apprécie. Et recherche thème Asie, excellent aussi. Qu'est-ce qu'on a débloqué du coup en thème Asie? Parce qu'on a forcément débloqué des constructions. Si on met Asie. Là-dedans. Ok, on aime bien. Des poubelles asiatiques. Oh ouais, j'aime bien. On va commencer à pouvoir décorer. On va commencer à pouvoir décorer. T'es pas assez rapide. Je vais pas cliquer dessus dès que j'y vais. Tu vois, on est quand même limité. 740, c'est pas fou. Donc si j'y vais et que je regrette parce que mince, ces gènes n'étaient pas bons, ou alors je peux pas prendre une femelle, et puis le temps que je peux en avoir une, le mâle meurt, bah, c'est de l'argent dépensé pour rien. Donc, je veux pas faire d'erreur. Une fois qu'on aura des espèces qu'on pourra relâcher et autres, c'est pas grave. Mais le temps qu'on n'a pas ce genre d'espèces, c'est tendu, quoi. Tu vois, il me manque 20. 20. 20 et j'aurais pu avoir celle-là qui est quand même plutôt très très bien, quoi. Mais tant pis, on part sur celle-là. Allez, on a les pandas. On a les pandas, on va pouvoir faire l'installation de nos amis. Par contre, le pandarou n'est quasiment jamais au sol. Ça va être sympa comme enclos à construire. Je sais pas si ça va être sympa, mais en tout cas, on va faire ce qu'on peut. Je te cache pas que... Je suis pas forcément très très serein à l'idée de ce que tu viens de me dire. Mais bon. Nous verrons. Alors attends. Je virais ça. Ouais. Et tu vas me mettre ça. Ça va pas être mal ici. Hein. En vrai, ça va pas être mal.
Le système de construction est quand même énorme. Moi, j'adore. Hein. Le système de construction des clôtures est parfait, quoi. Si seulement ils nous avaient fait ça sur Jurassic World Evolution. Oh là là. On peut garder du bois, c'est pas grave non plus. Et on va installer tout de suite. Ah bah d'ailleurs, on peut mettre la porte. Je sais déjà, c'est obligatoire. Et en plus, elle sera même à côté. Donc c'est parfait. Clôture. Porte en bois. C'est parfait, quoi. Attends, mais cette, ce zoo commence plutôt bien. Des arbres, des poutres, des cabanes perchées, des lianes, tu maîtrises. On va pas partir sur le pandarou. On va partir sur autre chose. Putain, j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à ça. Bon, on verra bien. Alors, échange d'animaux. On va amener nos pandas, déjà. Et on va espérer qu'ils se reproduisent. Parce que s'ils se reproduisent, pour le coup, en revente, ça peut être très intéressant. En plus, on est en début de partie. Donc, il y a peut-être des gens qui vont être intéressés pour en avoir. Donc, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Le pangolin, on n'a plus qu'à espérer qu'il fasse des bébés. Hein. Ça va être un peu plus galère. Hein. Ah, c'est bon, la boîte de fourrage est pleine. Il remplit pas ça. L'abreuvoir ici. Qui c'est? T'es qui, toi? Le soigneur. Nourriture du vieux... Ça c'est bugué, hein. J'en peux plus, j'ai besoin de me reposer. Bah, vas-y! Bonus de la salle du personnel. T'es débutant. Non, mais n'hésite pas à mettre de l'eau, hein. Le pandarou est arrivé, attention. Admirons-le et après on regarde un petit... Oh putain, comment c'est beau. Enclos anti-grimpe, sinon ils vont escalader. Ouais, t'inquiète. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh. Waouh, waouh. Bah oui, waouh, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi. Waouh, pause. Évitons les fuites. Évitons les fuites. Alors, déjà, on a une récompense ici. Récupérer la récompense. 1000$. Bon, pourquoi pas. Ça fait toujours plaisir. Ici, on a du coup bien-être faible, c'est tout à fait normal. Habitat à des clôtures abîmées. Quoi? Comment ça? Hein? Comment ça, des clôtures abîmées? Comment il peut avoir des clôtures abîmées? Comment? J'ai pas compris. Pour les pangolins, tu peux envisager une seconde femelle achetée en... Ah ouais, c'est pas fait. C'est pas bête, ça. Attends, je vais regarder ça tout de suite. Le pangolin. Si effectivement, je peux avoir une deuxième femelle... achetée avec de l'argent... ça peut être extrêmement intéressant. Comme ça, on a un mâle, deux femelles, et on espère qu'il y en a une des deux qui finisse par avoir un bébé. Faut vraiment qu'ils nous fassent une mise à jour, mettre en ordre l'alphabétique. Si ça se trouve, je suis passé et je l'ai raté, quoi. Non, il est là. Ah merde, c'est un mâle. Dommage. J'allais dire, bah parfait, mais c'est un mâle. C'est un mâle. Alors au niveau ici, là, le pandarou. Ils ont pu le faire ici, je vois pas pourquoi ils pourraient pas le faire dans le truc, en fait. Le pandarou, ici, il a besoin d'anti-escalade de niveau 2. Ouais. 1 à 2 personnes, très bien. Maturité sexuelle, 15 ans. Nombre de portées par, petit par portée, 1 à 3 mois. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. C'est les pangolins qui grèvent sous les palissades. Putain, t'imagines comment ce serait trop galère si c'était ça. Oh la misère. Alors modifier la clôture. On va mettre de l'anti-escalade. Non, non, je vais pas mettre ici. Attends. Non, mais je veux enlever. Arrête. Ça. Là. Anti-escalade. À droite. C'est ça, hein. C'est bien ça. Ici, ce mur-là, on va mettre anti-escalade du coup des deux côtés. Comme ça, on est pas mal ici. Comme ça, on est pas mal ici. Très bien. Bah écoutez. Le jeu est sorti et tu demandes déjà des mages. Il faut, il faut.
Bien-être faible. Oui, bon, ça va. Mais du coup, il n'y a plus de problème de clôture, et ça, c'est positif. Et ça, on apprécie. Alors, le panda roux. De quoi t'as besoin? Qu'est-ce que tu veux? Il faut des zones d'escalade. Oh putain, ça m'écœure. Habitat. Non, nature. Nature. T'es en quoi, toi? Asie et climat tempéré. Attendez, je réfléchis. Parce que ce serait cool de pouvoir marier les deux enclos. Ce serait cool de pouvoir marier les deux enclos. En faisant genre un truc... on est d'accord que les panthères, c'est... Panthère des neiges, c'est Asie. Je vais vérifier par acquis de conscience, mais... Panthère des neiges, c'est... Ce qu'on peut faire... Pour envisager, parce qu'il faut marier le tout, tu vois, il faut pas faire un enclos, puis un enclos, puis un enclos, puis un enclos. Il faut marier le tout. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, on va commencer avec de l'enclos, enfin du tempéré, là. Et par ici, on va commencer à faire une petite montagne ou autre, qui va passer par-dessus cette petite route, qui amènera vers ici l'enclos des Panthères des Neiges. On voit loin, on voit loin. Mais au moins, on sait. Ou alors de l'autre côté, en vrai, hein, peu importe. On va peut-être même de par ici. On va même mettre par ici. On va mettre une falaise là, qui mène vers... on verra comment on fait. On verra comment on fait. Alors, on commence avec deux plateformes et un tronc. Bah, le truc, c'est que ce serait cool d'avoir une construction de base. Faite. Ça m'arrangerait très fortement, on va pas se le cacher. Mais où est-ce qu'on trouve ça? Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ça? Regarde. Est-ce que c'est pas mal, ça? Est-ce que c'est pas intéressant, ça? C'est pas moi, ça doit être du workshop. Mais est-ce que c'est pas intéressant, ça? C'est très très grand. Après, on le descend, l'arbre. Si on part sur un truc comme ça. Pour commencer, encore une fois, hein. Au moins, je suis sûr qu'ils aient de l'escalade et que ça leur plaît. Clôture invisible entre l'enclos. Ah non! Les poubelles. Ouais, il faudra qu'on en mette, effectivement. Mais tout ce qui est gérer les gens, là, mettre de l'éclairage, des poubelles, des bancs, etc., je le ferai moi de mon côté hors vidéo. On le fera une fois de temps en temps, mais je le ferai moi de mon côté, je pense. Si je pars sur ça, on va tester. On le rotationne un petit peu. Genre comme ça. C'est pas mal en vrai. Le problème, c'est que si ça se trouve, l'arbre va pas lui plaire. Est-ce que l'arbre, ce type d'arbre te plaît? Oh, il a des lianes qu'il n'aime pas, quoi. Oh, et puis cet arbre-là, nous... Ouais, non, ça lui plaît pas. Moi, j'aime pas quand ça plaît pas. J'aime pas quand ça plaît pas. Ça, c'est pour les pandas roux. Bah, c'était une idée, quoi. Ça m'aurait arrangé que ça passe, quoi. Ça m'aurait arrangé que ça passe. Comment on fait déjà pour poser des... Comment on fait pour poser des planches et autres, là? Comment on fait, ça? C'est dans quoi? Ah ouais, faut peut-être que j'enlève, vas-y. Sont où les planches? Les planches pour faire des enclos... C'est intéressant, ça. C'est pas dans la nature? Habitat? Non. Clôture? Non plus. Service, alors? Y'a rien. C'est dans Habitat. C'est dans Habitat?
Ah ouais, là. Ah ouais, là, mais j'ai rien de débloqué. C'est ça? Il faut faire des recherches. On n'a rien de base. Oh merde. Non, il me semble avoir vu tout à l'heure des planches. Attends, ce serait où? Bah merde là. Construction. Architecture, éclairage, pièces, forme artistique, enseigne, décor, effets spéciaux, toit sol, décoration murale. Ça va pas être là-dedans. Là, il y a des colonnes et tout. Putain, il y a de quoi faire en vrai en construction. Oh là là. Le fait qu'on ait commencé à débloquer des trucs. Filtre Pango activé dans l'habitat. Ah merde. Ah bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Effectivement. Effectivement, effectivement. Il n'y a pas un truc pré-construit de base, tout simple, qui permet juste de faire un truc simple. Non? Merde, ça marche pas. Bon alors. Fais des recherches pour le panda. Ouais, je vais les faire, je vais les faire. Ce que je vais faire, c'est que je suis pas certain du temps où j'en suis là dans ma vidéo YouTube. J'ai peur que ça fasse longtemps. Et en plus, moi, il faut que je m'en aille. Mais on va enchaîner ce soir, vous inquiétez pas. Donc on va faire un enchaînement. Enfin, pour YouTube déjà, Twitch, bougez pas. Pour YouTube, on va s'arrêter là. Prochaine vidéo, on se focus sur l'enclos des pandarous. Moi, je vais essayer d'aller voir sur le workshop. Parce que j'avoue que c'est le genre de truc qui va être long et j'ai pas. J'ai pas le niveau pour faire des trucs comme ça, tu vois. J'ai pas le niveau pour faire des trucs comme ça. Je vais me galérer, ça va me saouler. Donc je vais voir si sur le workshop il n'y a pas déjà des petits trucs d'escalade pour panda ou autre. Et puis l'avantage c'est que j'ai vu où c'était. Merci beaucoup d'ailleurs, du filtre Pango, effectivement. Ça va me permettre de potentiellement réfléchir si jamais je trouve rien. Et prochaine vidéo, du coup, Pandarou, on focus là-dessus et on voit. Comment on s'arrange pour marier un petit peu les enclos entre eux. J'aime bien l'enclos pangolin en vrai. Hein. Qu'est-ce qu'on en pense? Mais il est correct. Hein. Quand tu regardes d'ici. Oh là, par contre, les carreaux commencent à être cassés là. Faut rappeler le mécano. Hein. Faut rappeler un mécano. Mais j'aime bien. J'aime bien. Si le niveau tu l'as, mais clairement ça va être long et fastidieux. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et je suis pas sûr que. Passer une heure à construire juste un truc d'escalade, ça va être. Je suis pas sûr que ça va être passionnant. Si jamais, voilà, je lance le truc, si jamais parmi vous il y a des gens qui jouaient au jeu et que vous vous sentez chaud, ou alors que vous avez même, vous, de votre côté, fait un bon truc, bah, n'hésitez pas à me le dire et puis à le mettre sur le workshop si vous pouvez. Comme ça, on pourra utiliser les trucs que vous faites. Ça va être une manière de jouer ensemble indirectement, quoi. Est-ce que tu as fait pour les ours, par exemple, tu as le niveau? Oui, enfin, je sais pas. Honnêtement, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Bref, dans tous les cas, merci beaucoup YouTube d'avoir regardé cette vidéo. C'est Roll Viking sur Planet Zoo. On n'a pas fait grand-chose sur cette vidéo, très clairement. Mais on a nos pandarous, et ça, c'est plutôt cool. On a démarré par deux nouvelles espèces qu'il n'y avait pas dans la méta. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et on se retrouve dès demain midi, normalement, pour, j'espère, une vidéo complète sur l'enclos pandarous. Et après, on pourra passer à autre chose. J'espère. Allez, bisous à tous, bonne journée. Et à la prochaine. Allez, ciao.